Quelqu'un peut même pas te rapprocher. CGA, j'étais avec la plaignante là. Pour l'instant, je vois pas de flammes sur le véhicule là. Ouais, il y a des grosses flammes pour nous en arrière. Comment ça fait des flammes? Ça boucane. Hey, bonjour, bonjour! Madame, venez avec moi, restez pas près du véhicule. Oui. Est-ce que vous étiez avec quelqu'un d'autre, madame? Ou vous étiez tout seul? Non, non, j'étais tout seul! Ah, le feu est là. Ok. On va pas rester proche comme ça. CGA, prenez note que la 15 à hauteur du 15.29 est fermée complètement en direction nord. CGA, on a-tu une estimation pour. Ça veut dire l'incendie là, parce que c'est sous le viaduc, là, faudrait pas que ça endommage la structure. On les avait à l'instant, mais ça on vous vient. C'est ici, monsieur, nous mentionne qui arrive à l'instant. C'est. Capté. Are disconnected from your channel. CGA, prenez note que l'incendie est maîtrisé. Compris pour l'incendie maîtrisé. On va également faire venir un ingénieur là, du MTQ qui vérifie la structure du pont. Salut chef. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Quand ils vont terminer avec le véhicule, là, ça flambait pas mal tantôt, puis ça. Juste vérifier la structure du pont s'il n'y a pas de dommages. 61-2 au CGA. Ok, on va vérifier ça. Allez, pouvez-vous m'inclure dans la. On va aller voir le pompier là. Hey Joseph, qu'est-ce qu'elle te dit la dame là? Comment c'est arrivé? Elle a perdu le contrôle ou c'est quoi qui t'est arrivé? Non, elle m'a dit que c'est un char électrique, un nouveau char électrique qu'elle avait. Après ça, elle sentait le bruit à un moment donné. Quand elle est allée ouvrir le hood, ça a pogné un peu. Après, elle nous a appelé. Ok, merci. Tout est contrôlé, monsieur. On a enlevé la batterie. Vous allez pouvoir libérer. On a également mis de l'absorbant. Donc de ce côté-là, c'est bien. C'était beau. Ça ne semble pas avoir non plus de dommages au pont. Je ne suis pas ingénieur, là, mais là, ce que je vois ici, là, au niveau des flammes, ce serait juste superficiel. Ok. Juste pour vous dire, là, c'était une défectuosité électrique. Là. C'était un véhicule hybride. Là. Puis la dame a roulé, puis a senti le chauffer. Puis d'un coup, ça pognait en feu. Effectivement, monsieur, c'est le troisième qu'on a eu dans le mois, sans nommer la marque. Là. On a eu quelques épisodes semblables. Là. Quand il commence à faire chaud, là, il y a des problèmes électriques. Puis ces véhicules-là, ils prennent en feu. Donc, c'est commun. Fait que, rassurez la dame, là, dites-lui qu'il y a des rappels auprès du manufacturier, puis elle a des recours de ce côté-là. Ouais, on va avoir des recours avec son vendeur. Elle m'a dit que son vendeur s'appelait Jules Villeneuve. Fait que, d'après moi, là, c'est. Ah, ben là, elle doit avoir un maudit bon prix, parce que c'est un maudit bon pilote. Ah, c'est ça. Ok, c'est bon, merci. Bonne soirée, monsieur, merci. Formation les autos, là, il reste juste faire l'inspection sous le viaduc, puis remorquer le véhicule, puis on pourrait rouvrir.
accepté. Bon, fait que... je vais aller faire ça, puis je t'en reviens. Ok, merci. On a-tu une remorque en route? On les contacte à l'instant. Joseph, t'es-tu encore avec la plaignante? Ouais, madame, elle capote un peu. Puisque sa sacoche est restée dans le show, puis elle capote. Ouais, je vais aller voir si moyen de récupérer ça, là, si étant donné que le feu était seulement où est-ce que le moteur, je vais aller voir. Ça fait 4-5. Ouais, tout va être beau, là. Il y a juste des petites brindilles, là, on va pouvoir ouvrir ça, il n'y a pas de stress avec ça. Là. Ok, c'est bon. Si ça s'écroule. Yeah, ça y est, passez une bonne soirée. Si ça s'écroule, ouais. Si ça s'écroule comme le pont de la Concorde, ben je vais l'armer toi. Ah, ok, parfait. Pas de trouble. Joseph, tu pourrais dire à Adam là, que j'ai son sac à main, j'y amène. Là. Et madame, votre sac à main. Ah, oh, donnez-moi, on va me sauver, allez, monsieur là, je peux pas savoir comment, là. Je vais y appeler un j'avais plus rien, plus de carte, plus de permis de conduire, plus de téléphone, plus d'auto, je vous embrasserai, si vous n'y a pas. Ouais. Là, vous avez acheté ça à Québec, ce fort-là, si on m'a dit. Monsieur Sessier, on va vous contacter une compagnie... Ben, j'ai acheté ça à Québec, c'est tout neuf, là, puis c'est un char électrique, c'est écolo, là, puis ça sentait le brûler, comme je disais tout à l'heure à votre collègue, là, ça commence à s'échauffer, puis quand je suis sorti dehors, puis ouvert la route, ça a le feu a pris, là, j'ai reculé, j'ai même pas pensé à rien remonter, là, j'ai votre vendeur, ça serait pas Gilles Villeneuve, par exemple? Je sais pas, là, c'est indifférent, mais je peux pas vous dire, je pense que c'est ça. Ouais, mais c'est ça, lui habituellement, il vend des boîtes, c'est-à-dire qu'il vend des véhicules reconstruits, qui sont pas conformes, fait que vous allez avoir un recours contre lui, là. Pourtant, en bon québécois, c'est de la cochonnerie. Pardon? Là, moi, c'est pas ça drôle aussi qui s'en pas cher, c'est un dingue trop beau pour être vrai. Ouais, c'est ça. Quand ça a l'air trop beau pour être vrai, là, faut vous méfier des vendeurs de véhicules usagés. Ouais, mais vous savez, il peut bien qu'ils en ont profité parce qu'il est en jeté une femme. Bon, oh, ouais, tu as appelé lui appeler un taxi? Ah, je l'ai appelé, mais je sais pas s'il s'en vient. Tu peux-tu attendre ici? Je vais aller chercher mon véhicule puis je vais stationner sur le bord. Moi, je vais m'occuper de votre véhicule, le on taxi, va l'envoyer au. Ah, votre taxi est arrivé. Ah, merci beaucoup. Vous avez besoin d'aller où, madame? Ah, madame, vous avez besoin d'aller où? Quelle ville? 8-5, pour la remorque, c'est-tu DV, c'est ça? Affirmatif, monsieur, DV, Je vais être au 10-02 au poste quelques minutes. Consommant Plamondon Paul,
On a plusieurs antécédents, monsieur. Attends, on a ici voie de fait grave, voie de fait policier, possession d'armes, possession de vue de trafic, gangstérisme, DPA négatif, individu relié au Lost MC du secteur de la chapitre de Joliette. 10-4, est-ce que je pourrais avoir un additionnel juste au cas? Les unités sont tous occupées, on va vous envoyer le 85 en cours. Ouais, le 85, je sors du poste. C'est quoi ton 09? Au 15-35, direction Nord. Ok, j'arrive. Ok, tu vas jouer au Ok, ça veut... Ça... J'ai trouvé mon reste. J'ai capté à 148. Allez, j'ai besoin de votre permis. Prenez note qu'on prend contact avec un individu. On va questionner stand-by. C'est pas mal pour plein de temps, puis son nez est plein de temps. J'en ai un 03 au CGR. Regarde, on a joué fort avec les boys, c'est bon. Peu importe, là. C'est mon permis, là. Allez, écoute, monsieur. Possibilité pour un T2 vocal, là. Affirmatif, on vous écoute. Ça va être bon, monsieur. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ta face? Hey mon homme, qu'est-ce qui t'est arrivé à ta face? Allô? Là, là, c'est simple, ok? Moi, là, je me promène en bicycle, asti. Toutes les fois que je sors, là, mon bébé, je le sors, asti, trois fois par année. Tabarnak, faut que je me fasse coller et me fasse chier. En plus, je suis un petit baveux hey, là-bas, hey, là. Hey, calme tes nerfs, là. Là, t'as les pantalons pleins de sang, t'as la patte pleine de sang. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle dit, je sais, je me suis chicané, je suis nettoyé à la maison, c'est tout, là. Y'a pas de marde, là. Je veux pas de marde. Arrête, là, Chris. Le petit calice. Elle est dans ton char, là. Il est plein de sang. On va voir qu'est-ce qui est arrivé, là. Vas-y, je te l'ai dit, on s'est chicané, asti. T'es chicané avec qui? Je sais pas, moi, t'es plein de sang. Des amis, est-ce que ça s'est chicané, après un verre, c'est tout ça. Mais jamais, non, Il a dit qu'il a pris un verre, fait qu'on va le faire souffler la balle. Ah, un verre, sacrément, ça commence, pièce cash. Ouais, bon, c'est bon. Ben, fait assis dans le char, on va éclaircir ça au clair, là. C'est sûr, on a peut-être une victime en quelque part. On va mettre ça au poste, ou... Ben, attends, on va vérifier... C'est quoi son nom, lui? 85. Paul Tenberg. Ah, je t'avais même pas reconnu, Paul. T'es magané en Chris? Non, rien, Chris, je te l'ai dit, là. C'est... Bon, regarde. Là, on va arrêter de jouer au niaiseux, là. C'est où que tu t'es battu, là? Je te l'ai dit, je suis allé chez des chums, Steve. Ah ouais, mais t'es chum. Regarde, je suis allé à quelle place? Je parlerai pas. Tu parles pas, bon. Assieds-toi. Assieds-toi. Regarde, il est là, plein mon basic, là, faites pas tourner ça n'importe où, là. Ok, c'est pas une... je veux pas que vous faisiez faire ça par un assis de gros cave de Joliette, tabarnak. Faites attention à mon basic. Là, là, c'est pas toi qui mène site, là. Là, ton basic, là, si je veux, là, je vais te dire, hey! Criche de char ouvre la fenêtre. Paul, ferme ta gueule pendant qu'elle ferme juste, là. Là, là, tu vas me dire c'est arrivé où. Ton basic, là, je vais le stripper au complet. Je vais tout le défaire en morceaux. Une bonne autoroute, ça. Bon, tu sais que je suis capable. Tu fais ça, aussi, puis tu sais, je sais où tu restes. Ben ouais, pas grave. Je vais t'attendre. Je vais pas... Ouais.
Ça me dérange pas, j'ai pas peur de ça, les petits poils comme toi. Non, hey. C'est pas à jouer de même. On s'entend bien d'habitude, ben oui, mais je te pose j'ai jamais chicané, tabarnak. Je te pose une question, t'es plein de temps. Tu sais que ces affaires-là, je peux pas parler. Tu sais ce que je fais dans la vie, avec qui je me tiens, pis c'est ça. Moi, je veux m'assurer qu'il n'y a pas poignardé quelqu'un, t'as pas tiré quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de mourir au bout de son sang. Moi, je fais ma job. Ils vont s'en remettre. C'est ça. Bon, ben. Là, présentement, tu t'en vas au poste jusqu'à temps qu'on va, avoir, on va éclaircir ça. Là. À manger 3-4 lacs à gueule, c'est pas la fin du monde. T'en as déjà mangé de lacs à gueule, toi, ça m'est dû t'arriver une fois dans ta vie. Avec un gros nez comme moi, ça m'est arrivé une couple de fois. Mais c'est pas grave, t'es plein de sang, là. C'est pas, pas une coupe de claques à gueule que t'as mangé, là. Tes pantalons sont pleins de sang. Ouais, appelez mon avocat. Veux-tu l'amener au poste pour enquête? Moi, je vais m'occuper de son estipopper. J'appelle-tu des enquêteurs? Toi, John, là, tu vas appeler mon avocat. Maître Beauregard. Tu vas l'appeler tout de suite. Juste au poste, ça. Amène-le au poste, puis. Appelle mon avocat tout de suite. Les enquêteurs, ils vont être au poste, là. Ouais, je vais parler à mon avocat, testé. 64,85, là, ça va me prendre une remorque au 2049 pour une moto. Ça va prendre un flatbed, s'il vous plaît. C'est capté, monsieur. On va vous envoyer la compagnie sur Berlin. C'est environ 15 minutes. Je suis en 1-0-3 au 85. Écoute, Vincent. J'ai des motifs de croire que le monsieur ici en détention qui a fait de la distribution de drogue. J'ai parlé au commerce. Puis, le monsieur il m'a dit qu'il y a eu un ID positif sur lui. Puis, mais c'est quoi là, à partir de ça? Je peux-tu fouiller? Je peux-tu. Si t'as des motifs de procéder à son arrestation, on te doit de le fouiller. Me fait attaquer. 09. Et où? 30-26, monsieur, il va coopérer, là. Il m'a donné coup de poing dans la face, on l'arrête. Je n'avais pas ça dans mon commerce, là, mettez-moi ça dedans. Ah, va chier, c'est gros gris. Qu'est-ce que c'est que ça, là, la merde, là? Monsieur, aidez-moi, là, c'est quoi, là, cette merde, là? Tabarnak. Venez plus loin, là. Non, j'ai rien, rien de piquant dans mes petites poches, là, tu vois, de Christ. Correct, Vincent? Ouais, tout va être correct, là. Moi, je suis crissé un coup de poing dans la face. Fait que là, moi, monsieur, moi, j'étais en état d'arrestation pour voir de fesses un agent de la peine. Ah ouais, c'est ça, c'est tout. Je m'as cherché depuis le début, quand j'ai l'air avec moi, là. Tabarnak. Ouais, là, c'est assez, là. Regarde, t'aggraves la situation, laisse-nous faire notre job, parce que là, ça, tu t'arrêtes pour entrave. C'est correct? Ok, mais je parle le client à cause de lui, c'est à moi, les. Tu vas perdre bien plus de clients si tu te ramasses en dedans, ce soir, là. Fait qu'il laisse nous faire notre job, okay, d'appeler le 911, on va s'occuper du reste. Ok. D'autres affaires, là, mon petit, en évidence, pis. Arrête-les, les possessions de trafic, c'est tout. Ça coupe-tu quand je parle? Ça coupait, oui, ça coupait quand tu parlais. Ok. De 64,85 au 101,3, Vincent. D'accord. Tu vas aller à l'hôpital faire vérifier ton gros nez? Ouais, effectivement. Ok.
TGA pour Alain. Prends note que le lunch sport est fourni par la compagnie de remorquage La Voix pour avoir fait des bons services avec vous. Donc, ils sont très contents pour la bonne soirée. On prend ça, ils sont capables de payer le lunch. Ils chargent tellement cher pour le remorquage. Mais tant mieux, moi, mes doses sont grattes. Quoi, Vincent, t'as l'air à l'aimer ton hamburger? Ah, il est pas pire. En tout cas, je suis prêt de checker de la tête, c'est tellement qu'il est bon. Hein. Le 85, je vais. Le 85, je vais arriver par l'arrière au Home Depot. Je vais faire un tour alentour, voir si je vois pas quelqu'un, on est pas prêt. Juste à 2 minutes. Joseph, j'arrive par l'arrière. Il y a une panne à l'arrière, Il y a un gars qui a coulé. Tout en noir avec un sac bas. Van Gris qui est parti. Moi j'ai un suspect en arrière aussi. La Van Gris est partie avec un autre gars avec une cagoule sous noir puis sac bas. Et hey, ton but tu contrôlais? Non, il y a une trop bonne main. Ok, les deux autres véhicules partaient sur le la vanne, moi je vais rester avec Joseph. 3-2-4 pour cet appui. Quelle est partie de la vanne, hein? Ah, l'arrêt de vous. Fait qu'ils sont ouais. Le gars, il est à pied, là. C'est où le 09? Mets-toi à genoux. 3052 dans la montagne. Ok, je suis là, Joseph. C'est cool. Ça tient. T'es laptop. On va retrouver le visuel, on va être où l'observatoire. Out, tabarnak! Hey, je vais aller sur l'autre appel. Yes. TGA, premier individu, menotté contrôlé, c'est quoi le 09, les coupeux? Ah, il part à vélo. Les gars, prenez note que j'arrive en direction opposée de vous autres. J'ai un visuel sur le gars sur le bord de la falaise. Y avait-tu un troisième individu? Négatif. Ça va être menotté et maîtrisé pour l'individu. Petit bulletin. Es-tu blessé? Rien, c'est beau. T'es sûr, Greg? Tu fais mal au bras parce que tu m'as donné un coup de matraque, là, mais ça se tough. Écoute, t'as voulu te pousser en vélo, t'as eu ce que t'as eu. Une place, je suis oublié. C'est beau, Vincent, je m'en viens. Puis, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Je ne sais pas, je check. J'ai pas encore fini ma recherche là, du véhicule. Et là, prenez note de la plaque du véhicule fuyard, là, 585 Golf Hotel Tango. Possible d'avoir un 17 au 30
52 pour un VAM, c'est juste quatre portes. Affirmatif, monsieur. On vous revient qu'un délai. Bon, ouais. 04. Bon, ben c'est ce qui conclut notre patrouille ce soir. On a fait un Québec. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve prochainement sur un prochain épisode sur YouTube ou sur notre live Facebook 91 Québec. Cheers!